Salut, c'est Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière, et dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je vais te parler de 5 règles d'or qu'il faut vraiment mettre en application si tu veux réussir à économiser de l'argent. C'est parti! Bienvenue sur cette chaîne, elle est faite pour t'aider à faire des économies au quotidien et t'apprendre à investir intelligemment ton argent. Tu m'en voudras pas, mais aujourd'hui je vais garder les lunettes de soleil parce que ça tape, il fait beau et on va pas s'en plaindre. Et comme je te l'ai expliqué dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien je vais te parler de 5 règles d'or si tu veux réussir à faire des économies. Si tu me connais pas, eh bien je suis auteur du blog Frugalisme et Liberté Financière, lefrugalisme.com, dans lequel il y a des tas de guides, d'astuces, de simulateurs, de calculatrices pour justement t'aider à faire tes projections, des articles aussi que je t'invite à aller lire. Je suis également auteur d'un livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et tu le trouves dans toutes les librairies en France. C'est un livre qui parle d'indépendance financière. Je suis également investisseur dans l'immobilier locatif et formateur. Et je forme mes clients non seulement à la liberté financière, j'ai le programme Protocole 4P, qui t'apprend vraiment à reprendre le contrôle de tes finances et à mettre en place une stratégie à long terme pour faire travailler ton argent à ta place. Et j'ai un autre programme qui s'appelle Immo Liberté et qui est uniquement dédié à l'investissement immobilier locatif, très rentable pour ceux qui veulent faire des gros sous. Alors en préambule de cette vidéo, je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que on est en train de vivre une époque inédite avec une inflation qui est juste délirante et en train d'exploser. Et si tu te contentes de faire des économies d'argent sans l'investir, ben en fait, ton argent, tes économies, en fin de compte, elles vont fondre comme neige au soleil. Toute la difficulté, donc, ça consiste à trouver des opportunités d'investissement dont les rendements seront supérieurs à l'inflation pour réussir à protéger efficacement ton épargne. Mais c'est compliqué et même dangereux en quelque sorte, puisque plus tu vas avoir des investissements qui vont te proposer des rendements importants, et plus ces rendements seront corrélés à du risque important, ou à du temps important auquel il va falloir consacrer à ton business, ou même à des problèmes, tu vois, qu'il va falloir gérer. À savoir que quand on s'engage dans l'investissement, en fait, si on a une approche entrepreneuriale d'une certaine forme, eh ben, tu vas devenir un trouveur de solutions. Ça va être ton job. Et il y a vraiment un truc sur lequel je voudrais insister, c'est que quand on s'engage dans l'investissement immobilier locatif, faut être prêt à faire face à des problèmes du quotidien. D'accord? L'immobilier, ça n'a rien de passif, j'insiste vraiment là-dessus. J'en ai parlé récemment à mes clients justement parce que j'ai eu un problème avec un de mes box où un des locataires s'est barré en me laissant une quantité de cochonneries juste invraisemblable. Vous voyez, ça c'est le box tel que la locataire me le rend, hein, tu vois. Donc dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Tu vois, le sol jonché de cochonneries, je sais même pas ce que c'est, de bouts de plastique, de papier, de trucs, de cartouches de je sais pas quoi, tu vois. Il y a même un moteur, je sais pas si c'est un moteur de machine à laver, je veux pas le savoir. Une vieille cafetière, des cartons avec, je sais pas, c'est des jouets. Voilà comment on te rend les choses, hein, Madame. Donc j'ai bien envie de lui rendre une visite pour lui restituer toutes ces à cette dame. Je pense que ce serait mérité. Et je suis assez content et pas peu fier d'avoir réussi à réagir assez vite pour justement gérer ce problème et puis essayer de vite retrouver un locataire. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein. Maintenant que j'ai fait le ménage. Bon, ça mériterait encore un coup de balai pour enlever les petits trucs, mais c'est quand même un peu plus mieux, n'est-ce pas? Ça donne un peu plus envie. Parce que moi, je peux pas le relouer hein, derrière. Vous voyez? Donc c'est pas un temps fou non plus. Et en plus, il est super grand. Vous voyez la hauteur sous plafond? Tu vois? La toiture, elle est saine, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Bah, juste, il est en terre battue. Voilà, donc conclusion, je dirais,
Vive les revenus passifs en immobilier! Oui! Allons-y les petits amis, faisons des revenus passifs en immobilier ensemble. Vous allez voir, c'est formidable. Il n'y a rien à faire et il y a juste qu'à attendre que l'argent il tombe dans ta poche. Et c'est super, jamais de problème, jamais de soucis. On dort tranquille, même avec des petits montants, aucun souci. Voilà, alors la prochaine fois que tu entendras un gugus te bassiner avec des âneries comme ça, bah tu sauras que le mec il est en train de te la mettre à l'envers, parce que voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais si on a peur des problèmes auxquels on peut être à un moment donné amené à faire face, faut pas aller vers ça, parce que ça va être trop compliqué à gérer, tu vois. Je pense notamment à toutes les personnes qui veulent commencer à faire de l'investissement immobilier à distance, tu vois, et sans vouloir vraiment s'impliquer dans le travail de recherche. Bon alors, ceci étant dit, la première chose la plus importante qu'il faut faire, si tu veux vraiment réussir à faire des économies, et je pense que tu l'as compris, c'est de te former, c'est d'avoir suffisamment d'humilité pour comprendre que peut-être t'as pas reçu de la part de ta famille ou de ton milieu social, etc., les bons réflexes, la bonne éducation financière. C'est pas grave, ça peut évidemment s'acquérir par la formation et il est jamais trop tard pour apprendre à bien faire. Je te dis, encore faut-il être capable de reconnaître ses propres faiblesses, si tu préfères. Numéro 2, la deuxième règle d'or, si tu veux réussir à faire des économies d'argent, c'est de te débrouiller par n'importe quel moyen. Je veux pas le savoir, mais il faut absolument que tu te débrouilles pour réussir à vivre en dessous de tes moyens. Si tu vis au-dessus de tes moyens, ça veut dire que t'as plus d'argent qui sort, qu'il y en a qui rentrent. Donc t'es en train de t'appauvrir au fur et à mesure du temps. Donc tu peux pas réussir à économiser d'argent puisque t'en as pas assez. Voilà, c'est aussi bête que ça. Alors je dis ça au passage, mais vivre en dessous de ses moyens, ça veut pas dire vivre en se privant de tout ou comme un malheureux. Et ça fait justement partie de la définition que je donne au frugalisme. C'est l'art d'être heureux avec peu en quelque sorte. Donc en ce sens-là, ça se rapproche du concept de sobriété heureuse comme l'avait développé Pierre Rabhi, paix à son âme, mais également l'idée qu'on va se rapprocher, on va utiliser certaines techniques qui sont mises en œuvre par les mouvements minimalistes. C'est-à-dire que finalement, on va pas se définir à l'aune de nos possessions et de la quantité de biens matériels qu'on va posséder, mais au contraire, on va mettre la priorité sur les instants de vie, sur l'idée que le temps ne passe qu'une fois et qu'il faut essayer de vivre une vie. Enfin, il faudrait du moins vivre une vie faite d'expériences plutôt que d'acquisitions, voilà. Nous ne sommes pas ce que nous possédons, nous valons mieux que ça, voilà. Pour moi, c'est une question d'orgueil que de reconnaître qu'on peut essayer de s'élever à mieux que uniquement acquérir des biens matériels. Et puis acquérir ce qu'il faudrait acquérir si on veut réussir à s'enrichir à long terme. Évidemment, tu l'as compris, c'est des actifs, c'est-à-dire des choses qui produisent de la valeur et de l'argent plutôt que d'acquérir des choses qui vont nous appauvrir au fur et à mesure du temps, des passifs comme un téléphone, une télé, une voiture, etc. Troisième règle d'or, si tu veux vraiment réussir à économiser de l'argent à long terme, pas juste comme ça pendant 2-3 mois, c'est de vraiment prendre le temps, t'obliger à te payer en premier. Se payer en premier, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, il me semble que c'est Robert Kiyosaki dans « Père riche, père pauvre ». Se payer en premier, ça veut dire que dès que tu vas percevoir ta pension, ton salaire, ta rente, j'en sais rien, appelle ça comme tu veux, ta retraite, ton allocation chômage, n'importe quoi, on s'en fout. Dès que tu vas percevoir tes thunes, tu vas immédiatement en mettre de côté 10%. Voilà. Mais 10%, c'est un minimum. 10%, c'est le minimum du minimum du minimum. Et ça, tu le fais en début de mois. Voilà. Parce que si tu attends la fin du mois pour le faire, 9 fois sur 10, il n'y aura plus une thune sur ton compte en banque, parce que tu auras tout claqué dans des trucs à droite, à gauche. Alors que si tu le fais au moins en début de mois, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà. Personnellement, je l'ai déjà dit également, mais ça va mieux en le répétant, je recommande d'avoir un fonds d'urgence, un fonds de sécurité d'environ 6 000 à 8 000 euros. L'idée, c'est de pouvoir te permettre de tenir plusieurs mois d'affilée si tu avais une grosse urgence, un gros pépin dans la vie. Alors je sais que certaines personnes vont te dire « Mais non, mais se mettre là de sécurité, il n'y a pas besoin, on peut commencer à l'investir directement, etc. » Tu peux, après chacun voit midi à sa porte, c'est pas la question. Moi, je donne ce qui me semble être un conseil de bonne hygiène financière, si tu préfères. Maintenant, après, pour d'autres personnes,
beaucoup moins d'argent, ce sera suffisant, ou voilà, c'est vraiment en fonction de ton style de vie, ton approche, ta situation personnelle, ta situation familiale. Mais il y a un truc qui est fondamental et qu'il faut retenir, au-delà de savoir s'il faut mettre 2000, 4000, 6000, 8000 ou 20000, j'en sais rien, tu vois, la question fondamentale, c'est de te dire que, en toutes circonstances, tu dois être serein et tu dois pouvoir dormir sur tes deux oreilles, parce que si t'arrives pas à être cool, tu vois, par rapport à ton argent et tes finances et tout, ben tu seras pas dans de bonnes dispositions, j'ai envie de dire, pour réussir à investir. Pourquoi ? Parce qu'investir, je l'ai déjà dit, c'est prendre un risque. Comment réussir à prendre des risques quand on n'est même pas capable de sécuriser sa propre situation en cas de pépin dans la vie ? Tu vois, c'est ça vraiment l'idée. Ah, il y a un avion qui passe. Et une autre chose que je veux te dire à propos de ce, comment dirais-je, de ce fonds d'urgence, de ce fonds de sécurité, c'est que moi, ce que je fais, c'est que, pour être sûr de pas l'oublier, parce que je suis comme tout le monde, je suis tête en l'air, ben, je mets un virement automatique du compte principal vers le compte d'épargne, d'accord? En début de mois, virement automatique. Alors, le compte d'épargne, en l'occurrence, ça peut être un livret A, bon, pas terrible, hein, un LEP, si t'es pas imposable, c'est mieux, parce que là, il est revalorisé à 4,6%. Bon, c'est toujours pas supérieur à l'inflation, hein, j'en conviens, mais bon, c'est mieux que rien. Si vous avez du pognon hein, comme ça, qui dort vraiment sur un livret A, beaucoup d'argent, faites-en quelque chose, hein, parce que c'est un scandale ce qui est en train de se passer. Hein. Vous êtes en train de vous faire plumer, hein, faut en être conscient quand même. Hein. Donc voilà, après, tu peux faire ça au travers d'une banque qui soit pas chère. Personnellement, je recommande Boursorama Banque. Pourquoi ? Parce que c'est ma banque en ligne, ma banque personnelle, hein, ma banque principale, déjà depuis 2013. C'est la banque la moins chère, c'est la banque, une des banques idéales, j'ai envie de dire, si tu veux ouvrir un deuxième compte en banque, si tu veux ouvrir un PE, un plan épargne en action en ligne, tu vois, pour commencer à investir en bourse, profiter de la baisse actuelle peut-être. Bon voilà, ça, c'est des options qui sont sur la table. Je te mets mon lien d'affiliation dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Je rappelle également hein, que pour ceux qui veulent se débancariser, il y a des solutions qui sont efficaces. Hein. Je pense notamment à l'or et les métaux précieux, avec une autre solution qui s'appelle Gold Avenue que j'ai déjà présentée. J'ai fait l'interview du CEO, hein, du PDG, Alessandro Soldati, qui est quelqu'un de super. Et ben voilà, je t'invite à aller voir la vidéo et là aussi je te mets le lien en dessous d'affiliation si ça t'intéresse de regarder ça. Hein. Gold Avenue, c'est une solution qui est vraiment efficace. Ils sont en Suisse et l'or il est stocké dans les coffres du port franc de Genève. Sinon tu peux te le faire expédier gratuitement à domicile. C'est pas mal je trouve. Alors il y a un autre truc qu'il faut faire hein, vraiment avec ton argent, c'est de faire un budget tout simplement. Si t'as pas de budget qui est fait, préparé, si t'arrives pas à mesurer en fait l'évolution de tes finances, comment tu dépenses ton argent en fait, c'est comme si tu voulais traverser la mer dans une barque sans boussole, sans carte, sans rien quoi, tu vois. C'est difficile de... t'as pas de cap à suivre en fin de compte. Donc fais-toi un budget. Il y a plein de manières de faire des budgets. Moi j'en ai proposé une qui est très simple ici dans une vidéo. Sinon je propose un outil en ligne qui s'appelle le budget du frugaliste. Là aussi je te mets le lien en description. C'est un tableur Excel qui va te permettre justement mois par mois d'arriver à voir ta progression, d'arriver à mesurer ta progression et de voir là où t'as pêché, là où t'aurais pu améliorer les choses, etc. Donc c'est des outils qui sont assez efficaces, qui donnent d'excellents résultats et qui vont te permettre justement de pouvoir reprendre la maîtrise de ton budget et de tes finances. Voilà, parce que ça nous a tous arrivé hein, de se retrouver à un moment donné à la fin du mois et de que t'as pas une thune, tu vois, sur ton compte en banque et tu comprends même pas parce que t'as pas l'impression d'avoir dépensé, tu vois, t'as rien fait de spécial et pourtant, ben voilà. Donc ben, il faut comprendre la manière avec laquelle on dépense notre argent pour voir justement où est-ce qu'on va pouvoir resserrer les boulons d'une certaine façon pour améliorer l'état de tes finances. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai dit qu'il faut se former, j'ai dit qu'il faut vivre en dessous de ses moyens, j'ai dit qu'il faut se payer en premier, j'ai dit qu'il faut faire un budget, et il en manque un, le dernier. Tu vas rigoler, hein, mais pourtant, je crois que celui-là, en ce moment, il est quand même assez important. Achète-toi un vélo, sans déconner, achète-toi un vélo. Ça coûte pas si cher un vélo, hein, d'accord? Tu regardes sur le bon coin, t'achètes un vélo, ça va peut-être te coûter 100 balles, d'accord? Et puis ta bagnole, tu vas la laisser au garage ou tu vas moins l'utiliser. Ou si t'as vraiment besoin d'être motorisé, envisage le deux roues. Si t'as la vieille mobilette qui traîne, hein, ou je sais pas quoi, la vieille 103 SP ou je sais pas quoi, hein, bah c'est peut-être le moment de la ressortir, la faire immatriculer, et puis bah justement d'aller faire tes courses avec au quotidien, voire même pourquoi pas d'envisager d'aller au taf avec. Pourquoi? Parce que ça va te coûter vachement moins cher. À 2 balles le litre, bah
franchement, ça commence à faire sacrément mal. Donc il est temps effectivement d'essayer de trouver des solutions qui sont pas inefficaces pour justement réduire la voilure, avoir plus d'argent, ne serait-ce que pour mieux s'en sortir au quotidien, arriver à joindre les deux bouts et peut-être même, je te le souhaite, réussir à mettre du beurre dans les épinards. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Si tu as aimé la vidéo, il faut absolument que tu lâches un pouce, il faut que tu t'abonnes à la chaîne et aussi que tu n'hésites pas à la partager sur les réseaux sociaux parce que c'est la manière la plus efficace de m'aider à faire grandir la communauté qui ne fait que s'agrandir, mais j'aimerais bien qu'elle s'agrandisse encore plus et encore plus vite. Si les programmes de formation ou les séances de coaching t'intéressent, n'hésite pas trop à, comment dire, traîne pas trop, c'est ça que je veux dire, parce que je vais pas tarder à augmenter les prix. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Bah, je te dis à très bientôt. Merci. Salut. Passe un bon été et à bientôt. Ciao, ciao.